sur Génération Optimiste, 21h heure de Paris, 15h heure de Québec. Eh bien, bienvenue à toute la communauté francophone et bonjour à nos cousins du Québec. Un petit coucou à Tina, présente encore ce soir, fidèle à Génération Optimiste. Bonsoir aux pays d'Afrique du Nord, un bonsoir à nos amis de Belgique, de Suisse, du Luxembourg. Bonsoir à la France et à tous les go-optimistes du réseau. J'adresse mes amitiés et je souhaite la bienvenue à chaque personne présente ce soir pour cette nouvelle édition des rendez-vous du jeudi. Je profite d'ailleurs de cet instant pour remercier Valérie Madège, coordinatrice des particuliers, qui œuvre quotidiennement à mes côtés et pour tout simplement vous dire qu'elle m'accompagne dans la découverte et l'utilisation du réseau au quotidien. Elle vous offre également ce service. Un petit coup de projecteur donc à notre experte EFT que nous recevrons la semaine prochaine pour une conférence intitulée « Douleur et émotion version 2 » puisque nous passerons dans des exercices pratiques. Alors Valérie Madège, merci pour votre engagement et pour tout le travail que vous accomplissez quotidiennement sur Génération Optimiste. Avant de débuter ce programme, permettez-moi tout simplement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, de me présenter. Alors, qui suis-je? Eh bien, c'est très simple. Voici maintenant 5 ans que j'exerce avec foi, enthousiasme et surtout détermination ma passion pour les sciences humaines que j'ai tout naturellement cherché à cultiver à travers l'optimisme, la performance et la rigueur. Je me souviens que lorsque j'ai eu l'opportunité de lire mon premier ouvrage de développement personnel, j'étais encore étudiant. Depuis, j'ai découvert de nombreux auteurs et puis j'ai parcouru bien des livres, j'ai participé à de nombreuses conférences, j'ai assisté à bien des séminaires et puis j'ai également collaboré à de nombreux projets, dont celui qui nous rassemble ce soir. Pas facile de trouver sa voie, pas facile de se faire une place et pourtant aujourd'hui, c'est en tant qu'expert en motivation relationnelle que je viens vers vous ce soir. Certains me le demandent, et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à me poser la question, en me demandant, Ludovic, c'est quoi au juste un expert en motivation relationnelle? Eh bien, sachez que c'est la capacité à réunir des individus et à les faire agir vers un même centre d'intérêt. En créant Génération Optimiste, j'ai tout naturellement accompli ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire mettre en relation les experts, les membres de tous milieux et les entreprises en vue de les faire agir vers une même source d'inspiration, en l'occurrence l'optimisme. En réalité, vous allez voir que c'est bien plus que cela. Ce soir, nous allons franchir un cap, nous allons aller encore plus loin. Mais avant cela, j'aimerais vous dire combien je suis enthousiaste à l'idée de partager le contenu de cette conférence avec vous. Alors pour moi, c'est un réel merge d'échanges d'idées, d'écriture, de tests de plus de une année. Chez vous, vous allez pouvoir recevoir, observer, noter, puis ensuite interagir avec moi en partageant vos avis, en me livrant votre opinion sur le contenu de cette présentation. Alors pour ceux qui me connaissent, Et ils le savent bien parce que durant toutes ces années, il y a une chose qui m'importe, je le répète à longueur de journée, je veux aider les autres, créer de la richesse, participer au changement. Et ce soir, je vais vous montrer que de manière concrète, il est extrêmement vite de répondre à ce souhait qui me tient particulièrement à cœur. Alors la réussite, la joie, la paix intérieure, le bonheur, l'optimisme, sont avant tout un choix de vie, une démarche personnelle. Les attitudes mentales que j'adopte dans mon quotidien sont à la portée de tous. J'ai rien d'exceptionnel. Souvenez-vous bien de ceci, je ne suis en rien différent de vous, juste un tout petit peu plus entraîné que vous à vivre avec enthousiasme, foi et persévérance. Rien ne m'arrête lorsque je sais que ce que je fais est bien et surtout que ce que je fais est bien pour tous. Aujourd'hui, enfin ce soir, vous allez pouvoir découvrir le programme que je vous propose. Encore une fois, j'insiste, c'est un programme que nous avons conçu, sur lequel nous avons travaillé. C'est une équipe et c'est pour ça que je tiens vraiment à remercier tous ceux qui y ont participé. Alors voilà, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi ce soir. Maintenant, place à la conférence. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont présents ce soir dans cette salle virtuelle. Et la thématique de ce soir s'intitule « Les journées de l'optimisme ». Alors, qu'est-ce que c'est que les journées de l'optimisme?
Il faut savoir que les journées d'optimiste, eh bien, c'est un événement francophone, public, populaire et nomade, visant à promouvoir l'optimisme auprès d'un large public. Également à mettre en valeur les initiatives positives de votre région, de votre ville et même de votre quartier. Si on a mis en place ce type de programme, c'est bien pour aller encore plus loin. Nous cherchons à développer l'optimisme naturel des individus. Oui, développer l'optimisme naturel des individus. Mais pas seulement. Apprendre à appliquer l'optimisme dans notre quotidien et ainsi faire face aux aléas de la vie. Voilà ce que sont les journées de l'optimisme. Un événement public, populaire, nomade, visant à promouvoir, à mettre en valeur, à développer et apprendre ou à appliquer l'optimisme dans notre quotidien afin tout simplement de faire face aux aléas de la vie. Comment ça marche? Eh bien, le principe est extrêmement simple. L'événement est organisé à date précise durant toute une journée. C'est basé sur le principe d'un Tour de France et cette manifestation est proposée dans plus de 35 villes sélectionnées. Les journées de l'optimisme est une action menée sur l'ensemble du territoire français. Notre intervention peut s'effectuer sur toute la francophonie, sur demande naturellement, et le calendrier du programme sera consultable en ligne en cliquant directement sur le site www.generationoptimiste.com. Donc vous l'avez compris, sur une période définie, les experts de Génération Optimiste et en l'occurrence moi-même, eh bien nous allons pouvoir vous proposer tout simplement de s'afficher avec vous au sein de cette manifestation, de ce programme. Alors qu'est-ce que je vous propose concrètement? Eh bien, quelle que soit votre région, il y aura toujours une ville pour recevoir l'événement. Les journées de l'optimisme se déplacent en fait en fonction d'un calendrier proposé, toujours proche de chez vous. Les journées de l'optimisme s'adressent en réalité à tout le monde. Enfin, vous allez voir, à une cible bien précise, mais cette cible est relativement étendue. Tout d'abord, cette cible s'adresse à deux mondes que rien n'oppose. Il s'agit en réalité du grand public, c'est-à-dire de toutes les personnes désireuses de partager leur optimisme. Vous en faites partie, vous êtes là ce soir, et c'est ce qui prouve que vous êtes optimiste. Les entreprises également, puisque nous allons leur proposer tout simplement d'incorporer ces journées, car les entreprises qui cherchent à valoriser leur capital sympathie, qui sont peut-être soucieux d'améliorer le bien-être des salariés ou encore à la recherche de meilleures performances collectives, pourront s'associer à ça. Ensuite, qu'est-ce que nous allons proposer? Eh bien, tout simplement, un programme en quatre étapes. Les journées de l'optimisme reposent sur quatre leviers. Un package, en réalité, de quatre activités distinctes et complémentaires. Quatre leviers pour favoriser le contact, partager votre expérience et surtout, favoriser l'optimisme en toute simplicité. L'idée générale est de stimuler votre esprit positif et de vous faire vivre une aventure insolite qui se déroule en quatre étapes de la manière suivante. Première étape, l'étape 1, optimiste café. Alors c'est une image que certains connaissent puisque certains sont déjà habitués à voir ce petit logo. Le principe est très simple, de 8h à 10h dans votre ville, nous allons pouvoir dès le matin, nous vous invitons en tout cas à nous retrouver dans un établissement, ce que l'on appelle un CHR, un café, un hôtel ou un restaurant, que nous avons préalablement désigné. Autour tout simplement d'une boisson, on va se retrouver. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons discuter, dialoguer, échanger sur notre vision de l'optimisme. Nous pouvons commenter l'actualité de votre journal local, développer une conversation sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, ou encore répondre à vos questions. Ici,
Avec l'Optimist Café, tout est possible. Chez vous, vous allez pouvoir nous rencontrer et nous allons pouvoir partager. Vous recevoir et partager ensemble notre Optimist, tel est le but de cette rencontre matinale. L'entrée est 100% gratuite, naturellement, puisque c'est dans un endroit public. Le seul engagement réside tout simplement à respecter notre hôte en acceptant de prendre tout simplement une boisson chaude, un café. Mais on va aller encore plus loin. Parce que pendant cette opération, pendant cette rencontre, que va-t-il se passer? Eh bien, au micro de Génération Optimiste, vous pourrez vous exprimer, vous pourrez apporter votre témoignage, donner votre définition de l'optimiste ou tout simplement affronter nos idées, vos idées, dans un état d'esprit constructif et positif. L'enregistrement sera diffusé sur les ondes de Génération Optimiste, car nous allons donc profiter de cela pour enregistrer ce type de programme. Alors, sachez également que cette rencontre, eh bien, nous allons tout simplement avoir un moyen diffuser à la fois l'information et partager ensemble, que vous pouvez déjà découvrir sur le site de Génération Optimiste, puisque depuis plusieurs mois, en réalité, eh bien, nous défendons chaque matin avec un petit groupe d'une vingtaine de personnes, voire un peu plus, actifs sur le réseau, eh bien, nous échangeons chaque matin. En réalité, ici, on va aller encore plus loin dans cet état, puisqu'à travers cet Optimiste Café lié aux journées de l'optimisme, eh bien, on va en réalité déposer sur ce groupe, dans cet espace, sur cet univers, en réalité, tout le contenu que nous aurons récolté lors de nos visites chez vous, dans ces fameux 35 villes, dans ce Tour de France que nous allons organiser, où nous allons passer près de chez vous. Alors, chaque matin, en buvant votre café, vous recevez gratuitement une note d'optimisme. Ça, c'est ce qui se passe sur Génération Optimiste aujourd'hui, une note positive pour bien démarrer votre journée. Alors, bien plus qu'une page d'optimiste, le groupe que je vous présente là maintenant, sur lequel on va déverser cette information, eh bien, se veut une proposition pour distinguer la différence entre réussir dans sa vie et réussir sa vie. En effet, à quoi sert la richesse, la gloire, le bonheur, si au plus profond de nous, on est malheureux et insatisfait? Quel est l'objectif réel de notre vie? N'est-il pas de maîtriser tout le potentiel que nous recevons dès notre naissance? Tous ces dons reçus au berceau, qu'en faisons-nous vraiment? Le pari de notre vie n'est-il pas de tirer notre existence vers l'excellence, c'est-à-dire de développer nos possibilités au maximum de leurs forces? De toute évidence, notre ultime but n'est-il pas d'atteindre l'équilibre et la sérénité, en un mot, au bonheur d'être? Eh bien, l'Optimist Café a pour but, sur Génération Optimiste, mais également à travers les journées de l'Optimiste, de répondre à cette question, de faire en sorte que l'on puisse vous apporter de l'excellence et que l'on puisse ensemble partager notre optimisme et surtout, je dis bien, échanger et partager dans la vraie vie. L'étape numéro 2, un sourire pour tous. Alors, ça se passera de 2h jusqu'à midi, grosso modo, c'est à peu près le timing que nous sommes fixés. Connaissez-vous le principe d'un sourire pour tous? Êtes-vous utilisateur du groupe qui existe déjà depuis quelques mois sur Génération Optimiste? Je vois ici dans la liste des membres présents ce soir des noms qui connaissent cela. Mais vous, au fond de vous, connaissez-vous l'utilisation d'un sourire pour tous? Alors non, pas de panique, pas encore peut-être. Eh bien, voici comment fonctionne le principe de un sourire pour tous. C'est le deuxième levier de ces journées de l'optimisme. Première étape de ce sourire pour tous, souriez. Souriez encore et toujours. On me reproche des fois d'avoir trop le sourire, mais je pense que c'est une qualité plutôt qu'un défaut. Eh bien, nous, on vous invite à sourire. Photographiez votre meilleur sourire. Ça, c'est une riche idée. On a tous à côté de soi, forcément dans la poche, un téléphone portable. Ben, il suffit simplement de se photographier. Photographier votre sourire. Clic. En un clic, c'est très simple. Allons plus loin. Postez votre sourire sur le mur de notre groupe. En réalité, sur Génération Optimiste, vous le savez peut-être, pour ceux qui le connaissent, eh bien, vous pouvez poster votre sourire. Vous l'avez compris, rien de bien difficile. Juste le souhait.
je dis bien le souhait d'offrir un moyen supplémentaire d'entrer en contact, d'échanger sur un sujet qui nous anime, l'optimisme. Chaque mois, nous mettrons en avant le plus joli sourire ou celui qui aura obtenu le plus de sourires ou celui qui en obtiendra le plus de commentaires, eh bien, nous le mettrons en avant. Tout ça, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le fun, juste pour le plaisir de partager un sourire entre vous et nous. Alors, dans cette journée de l'optimisme, eh bien, nous allons photographier les sourires des gens qui seront venus à notre rencontre. Mais même au-delà de cela, nous allons par exemple aller à la rencontre des gens qui font l'économie de votre ville, de votre quartier. Pourquoi ne pas photographier, j'allais dire, le sourire du boulanger ou le sourire de la pharmacienne. L'intérêt dans cette opération, c'est de créer un lien, de créer une dynamique entre la vraie vie et le monde d'Internet, c'est-à-dire celui que nous connaissons, celui de Génération Optimiste, par exemple. Alors, vous l'avez compris, il est bien difficile quelquefois d'obtenir, mais rien n'est impossible. On peut, quand on le souhaite, obtenir ce moyen supplémentaire, ce sourire supplémentaire pour entrer en contact, échanger sur le sujet qui nous anime passionnément, c'est-à-dire l'optimisme. Je rappelle que durant la journée de l'optimisme, nous vous invitons, encore une fois, à rencontrer les gens afin de partager avec eux votre bonne humeur, en l'occurrence dans cette étape numéro 2. Et sachez que avec votre accord, un sourire pour tous se concrétise toujours par une prise de vue photographique. En seulement quelques secondes, vous pouvez donc vous faire photographier à nos frais, puis on déposera votre sourire sur notre site dédié à cet effet. Et je rappelle que tous les candidats sont volontaires, il n'y a aucune obligation. De plus, en allant à la rencontre des commerçants, des artisans ou, comme je vous le disais tout à l'heure, des autres personnalités de notre ville, eh bien, nous invitons ces acteurs économiques à participer à cette action, à se rapprocher un petit peu des gens positifs, histoire d'affirmer un petit peu leur optimisme. Voilà. La troisième étape de journée de l'optimisme, le troisième levier, ça se déroule en réalité entre 15h et 16h. Et il s'agit en réalité, vous allez le comprendre très rapidement, du câlin gratuit. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le câlin gratuit. L'idée, c'est d'aller, encore une fois, à la rencontre des gens, dans un environnement public, et de leur offrir, waouh, des câlins. Le but est vraiment de partager avec la population ce moyen d'expression pour en faire un outil de communication. Je m'explique. Tout cela va être enregistré en vidéo et diffusé sur notre chaîne YouTube. Alors voyons, à travers un petit film réalisé par un groupe d'étudiants sur Paris le 21 mars 2013, donc ça fait presque maintenant un an, ce que donnent les câlins gratuits. Les images parlent d'elles-mêmes, on se retrouve tout de suite après ce petit film. C'est pour célébrer le printemps. Hola! Hello, hola, how are you? Des clients. Bonjour, c'est pour célébrer le printemps, c'est du canin. Ah oui, c'est du canin. Hola! Hello, hola, how are you? Bonjour, c'est le printemps. Bonjour, c'est le printemps. Et moi, j'en ai un. Oui, aussi, avec plaisir. La petite photo. Pour le printemps. Bah oui, pour le printemps. Merci. Beaucoup de bonheur, plein de belles choses. Et moi, j'en ai un. Alors, vous l'avez compris,
Rien de difficile à cela. Il est vrai que pour certaines personnes, c'est pas facile de faire des câlins, c'est pas facile de sortir en règle générale de sa zone de confort, mais soyez rassurés, amigo optimiste, on ne vous demande pas de nous accompagner, nous les animateurs de Génération Optimiste, les experts de Génération Optimiste, on ne vous demande pas et on ne vous forcera pas la main pour aller faire des câlins. Vous le faites uniquement si vous en éprouvez le besoin. Et à partir du moment où vous nous accompagnez dans cette journée de l'optimisme, c'est que véritablement, vous avez d'une certaine manière envie de profiter de cette journée pour justement expérimenter de nouvelles choses. Et puis sachez une chose, ce que l'on n'aime pas faire, eh bien il faut apprendre l'habitude d'aimer le faire. Parce que c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant, c'est ce qui nous pousse à développer chez nous des attitudes pour aller vers l'excellence. Donc sortez de votre zone de confort et puis apprenez, donc profitez finalement de notre venue, de cette expérience qui est le câlin gratuit pour justement performer dans un domaine qui ne vous est pas du tout confortable. Voilà. Sachez que vous êtes entouré de toute façon par des experts, par des professionnels, des coachs qui sont là pour vous aider, pour vous stimuler. Donc profitez, je dirais, de ce moment justement pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement. Donc ça veut dire aussi que vous allez d'une certaine manière partager avec d'autres individus et d'autres personnes un lien qui sera effectivement cristallisé sur la pellicule de la caméra de Génération Optimiste et puis ensuite diffusé à, je dirais, sur notre chaîne. Et donc c'est encore une manière supplémentaire d'apporter du contenu et de partager avec l'ensemble de la communauté. Voilà. Ce que j'aimerais aussi que vous sachiez à propos de ces câlins gratuits, c'est que la technique, elle est très simple, hein, je tiens à le préciser. On prend un petit carton, on y installe le mot câlin gratuit, et puis hop, on le présente. Il n'y a pas à aller vers les gens. Sachez que c'est plutôt les gens qui vont vers vous. Donc c'est pas la même démarche. C'est pas quelque chose de, je dirais, d'impossible. C'est quelque chose de tout à fait réalisable. Et encore une fois, je vous le dis, chaque petit câlin gratuit sera filmé, mis en image, par ville, avec le nom de la ville, avec les intervenants, de façon à pouvoir garder un petit document vidéo et faire tourner sur le net de façon à partager, à promouvoir un petit peu votre action de câlin gratuit. Et tout ça, ça sera diffusé naturellement sur le site, sur la chaîne YouTube de Génération Optimiste. Enfin, la quatrième étape, quelle est-elle? Eh bien, la quatrième étape, c'est ce que j'appelle les dîners de la réussite. Alors, qu'est-ce que c'est que les dîners de la réussite? Certains, quand j'avais présenté le programme expérimental au début, me disait, mais les dîners de la réussite, tiens, ça me rappelle quelque chose. En réalité, il s'agit encore une fois public, organisé près de chez vous, dans votre ville, dans votre quartier. Il s'agit en réalité d'une conférence physique et non d'une conférence virtuelle comme ça. Une conférence où vous et nous, on pourra se toucher, on pourra se parler, on pourra se voir, on pourra s'entendre, mais dans la vraie vie. Le but, c'est d'aider les participants à surmonter les réalités de la vie. Alors, les réalités, elles sont nombreuses, hein. On en a vu tout à l'heure un court extrait à travers les câlins gratuits. Pour certains, c'est une montagne. Pour d'autres, c'est au contraire un véritable bonheur. Ils achètent des programmes sur Internet, qui font des tas de choses, mais en réalité, ils se retrouvent tout seuls derrière leur ordinateur. Bien nous, par ces petites conférences, par ces petits ateliers, eh bien, on a envie tout simplement de vous reconnecter avec la réalité. Alors, les thèmes abordés sont liés à l'expertise, à notre expertise réciproque, mais le point commun qui va nous lier, eh bien, de toute évidence, encore une fois, c'est l'optimisme. Alors, l'optimisme, ça veut dire plein de choses et puis ça veut rien dire à la fois. Il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir, tiens, prenons l'exemple de ce qui va se passer la semaine prochaine. Quelqu'un qui a besoin de lutter contre la douleur fera appel à Valérie Madège. Parce que Valérie Madège, par son expertise, une science qui s'appelle l'EFT, va vous permettre tout simplement d'effacer, en tout cas de comprendre le mécanisme de la douleur, et puis d'une certaine manière d'effacer ces spasmes, ces maux, cette douleur qui vous pénalise chaque jour. Pour d'autres, eh bien, ça sera par exemple comment utiliser un langage positif dans sa vie et puis utiliser tout simplement un verbe positif.
quand vous vous levez le matin et que vous prenez votre petit déjeuner en famille, et ben de ne pas utiliser des phrases qui sont bourrées de négatifs, parce que vous avez été conditionné pendant des années, à travers la presse, la radio, les médias, la télévision, etc., à entendre des choses et à emmagasiner des choses tout à fait négatives. Apprendre à parler positif, eh bien, ça aide dans ses relations, dans son sa relation avec autrui, que ce soit avec son épouse, avec son voisin de palier, avec son commerçant ou encore dans son travail, à être bien meilleur et surtout pas meilleur pour les autres, mais être meilleur pour soi, pour se sentir bien. Voilà. Alors, pour ce faire, eh bien, qu'est-ce qu'on demande? Eh bien, on demande, dans la mesure de possible, de trouver dans votre ville, et ça, on va avoir besoin de votre aide pour ça, de trouver tout simplement, première étape, un lieu sympa, un restaurant de préférence, un lieu où le cadre est plutôt sympathique, où on mange dans des vrais couverts, on mange pas avec ses doigts, et on mange pas de préférence des sandwichs réchauffés, hein, je veux dire de la vraie cuisine française, ou étrangère, francophone, puisqu'on ne s'arrête pas à la France. On peut aller également dans toute la francophonie, je pense à nos amis d'Afrique du Nord, et je pense également à nos cousins du Canada. Pourquoi pas? On peut très bien imaginer cela dans ces pays-là. Pour l'instant, avec beaucoup d'humilité, on commencera par sillonner nos petites routes françaises. Voilà. Ensuite, après le lieu sympa, ben, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche deux intervenants. En général, il y a toujours un membre du comité directeur de Génération Optimiste. Je veux parler de Valérie Madège, je veux parler de Frédéric Lilienfeld ou de moi-même. En général, je vous cache pas, je suis présent. Mais Valérie peut-être peut m'accompagner, Frédéric peut m'accompagner, on peut pourquoi pas y aller tous les trois, mais minimum deux intervenants. Ça veut dire également que certains coachs, certains experts dans d'autres régions, pour des raisons d'accord entre nous, eh bien, on peut très bien imaginer que, par exemple, eh bien, nous puissions retrouver une personne comme Marianne Lanoux, par exemple, sur la région d'Annecy, et faire une journée d'optimisme du côté d'Annecy avec, effectivement, Marianne Lanoux. Ça pourrait se faire, par exemple. Troisième chose dont on a besoin, eh bien, on a besoin d'une conférence. Donc, ça veut dire que en amont, on a besoin de vous préparer des solutions qui vont venir, en fait, renforcer vos besoins et surtout répondre à vos attentes. Et enfin, un repas. Et oui, parce que nous allons clôturer cette journée de l'optimisme par un repas où nous aurons la possibilité de nous retrouver ensemble, de discuter. À travers ce repas, on peut en l'occurrence faire un petit coaching personnalisé. Quand je dis coaching, c'est entre guillemets, parce que quelquefois je m'en suis aperçu lors de repas entre GoOptimistes avec des experts, eh bien il y a toujours une personne qui a une problématique, et les experts se font un véritable plaisir de répondre justement à ces problématiques. Enfin, comme je vous le disais, une solution. Chaque individu qui participe à la journée de l'optimisme se doit de repartir avec une solution. Vous avez un problème, nous devons vous apporter la solution. Tel est l'engagement, tel est le but que nous prenons à travers ces journées de l'optimisme. Et vous l'avez compris, à chaque fois qu'une personne viendra passer la journée avec nous, en commençant par le matin avec l'optimiste café, en poursuivant par un sourire pour tous, en poursuivant par un câlin gratuit, et en terminant par ce fameux dîner de la réussite, cette personne, eh bien, elle y a de fortes chances qu'elle améliore. D'une part parce qu'elle va sortir de sa zone de confort, elle va se mettre en action, et puis aller vers les gens. Il se passe quelquefois des miracles quand on fait l'effort d'eux. Et puis, à la fin, eh bien, quand elle aura véritablement un problème, eh bien, nous lui apporterons la solution. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons faire. Au final, une journée complète pour vous permettre de passer du monde virtuel, celui d'Internet, celui qui nous sépare là, au monde bel et bien réel, celui que je vous propose demain, car Génération Optimiste a véritablement l'ambition de vous faire passer du monde virtuel au monde réel. Alors, qu'en pensez-vous? C'est la question que je vous pose. Et j'ai voulu avoir une petite note d'humour. Hop là, si vous avez des questions, je suis à votre service. Vous voyez, c'est quasiment le même. Voilà. Alors, je vous invite à me poser vos questions dans le chat. Et naturellement, eh bien, je vais y répondre au fur et à mesure
si bien évidemment vous avez des questions. Sabrina qui nous dit qu'elle a loupé la conférence. Alors Sabrina, faut pas s'inquiéter, on aura l'occasion de revoir cette conférence puisque c'est prévu dans le programme web conférence sur l'onglet donc de Génération Optimiste. On y retrouve un certain nombre de conférences sur lesquelles Journée de l'Optimiste sera mis en avant. Et donc je reviendrai avec une conférence encore enrichie, avec de nouvelles choses, avec un petit peu plus de recul, avec des réponses à certaines de vos questions, et voilà quoi. Alors je regarde, y a-t-il on est seul ou on peut inviter d'autres personnes hormis les coachs? Alors naturellement Sylvie, quand une journée de l'optimiste se crée, eh bien le but du jeu c'est de venir avec le maximum de personnes. Je vous rappelle que l'opération se déroule de la façon suivante. Le matin pour venir nous rejoindre dans un établissement, dans un café, un hôtel ou un restaurant, bah ça coûte rien, donc vous pouvez venir à 300 personnes si vous le voulez. Bon, on aura peut-être du mal à converser tous ensemble, mais en tout cas c'est réalisable. Les gens prennent un café parce que dans un endroit comme celui-ci, c'est la moindre des choses, un café, un chocolat, une boisson, un verre de vin, enfin ce que vous voulez. À 7h30, 8h le matin, peut-être qu'un verre de vin c'est pas toujours facile, mais voilà, pourquoi pas. Et puis ensuite, eh bien, tout au long de la journée, que ça soit le sourire ou que ça soit le câlin, il n'y a rien à débourser. La conférence, on fixera un petit prix avec naturellement une prise en charge au niveau du repas, puisque le repas, ben, c'est vous qui allez choisir votre menu. Donc voilà. Donc oui, vous pouvez venir avec autant de personnes que vous voulez. C'est même plutôt conseillé et recommandé, puisque le but du jeu, c'est que plus nous sommes nombreux, meilleur c'est. Rappelez-vous une chose, on va faire le tour de France. Déjà avec les journées de l'optimisme. On va aller dans chaque grande ville de France et prochainement, vous allez pouvoir découvrir le programme qui sera en ligne et sur lequel vous pourrez tout simplement réserver avec nous une journée de l'optimisme. Alors Lucie me dit, et ce sera où? Eh bien, j'ai répondu Lucie, ça sera absolument partout, quasiment dans les 35 plus grandes villes de France, en commençant par, alors nous sommes ici dans le sud de la France. Alors on commencera par exemple Toulouse, après Toulouse c'est Bordeaux, après Bordeaux ben, on continuera à monter comme ça jusqu'à arriver à Nantes, en région parisienne, on fera tout le tour, hein. On ira jusqu'à Lille, Roubaix, on descendra sur Strasbourg, etc. etc. Et on fera tout le tour de France, voilà, c'est cela. Alors y a-t-il d'autres questions? Oui, Bordeaux, Marie-Christine, il n'y a pas de problème. Bordeaux, c'est une ville sur laquelle ben, on va travailler. Encore une fois, ce qui, pour l'instant, je ne vais pas dire nous limite ou nous freine, c'est qu'on n'a pas encore dans toutes les villes, 35 villes, c'est énorme, on n'a pas encore mis en place le café, on n'a pas mis en place la place, et on n'a pas encore mis en place, c'est le cas de le dire, le restaurant. Quand je parle de place, c'est pour faire les câlins gratuits, nous préférons et on privilégie plutôt un espace public et la place d'une grande ville. Je pense que c'est un lieu de rendez-vous qui est sympa. Et si demain on arrive à créer des événements dans 35 villes, toujours sur le même standard, eh bien quand on dira Bordeaux, quand on dira Avignon ou quand on dira Clermont-Ferrand, eh bien les gens sauront que à une date précise. En général, ça se passe le samedi, et parce qu'on a choisi cette journée qui est importante pour nous. Ça se passera souvent le samedi. Eh bien, le samedi, on se retrouve tous sur la place de Bordeaux, Lille, Tourcoing, Rouen, Dunkerque. Pourquoi pas sur Québec? Pourquoi pas à Bruxelles? Pourquoi pas à Rabat, Casa, Meknès, Fès? Bref, je parle du Maroc en l'occurrence parce qu'il me semble avoir vu un petit drapeau marocain, à moins que ça soit un drapeau. Oui, c'est ça, c'est un petit drapeau marocain. Et donc voilà, à Vannes exactement, à Vannes, à Bourges aussi. Je vous donnerai de toute façon le calendrier dans les jours à venir. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est déjà qu'est-ce que vous en pensez du principe. Est-ce que l'idée d'organiser une journée de l'optimisme, c'est quelque chose qui vous plaît? Alors. Est-ce que le fait d'organiser des journées de l'optimisme, pour vous, c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez participer? Est-ce que dans l'esprit, ça vous tente? Est-ce que vous seriez prêt à devenir, entre guillemets, nos ambassadeurs, c'est-à-dire de partager cela avec nous, de venir nous rejoindre, de travailler sur le projet pour pouvoir justement le développer, pour faire en sorte que à la fois nous puissions venir avec le maximum
je dirais, d'outils en notre possession pour pouvoir le partager avec vous et surtout pour pouvoir également nous aider sur la structure, c'est-à-dire sur les infrastructures, bien me donner les informations concernant, par exemple, un café, un hôtel ou une salle pour pouvoir animer ces conférences. Est-ce que c'est quelque chose qui peut... Voilà, merci Sabrina, merci Nadia. Je peux amener mon poisson rouge, le crawl, oui, bien sûr, le poisson rouge, et moi j'amènerai mon chat. oui, j'aimerais découvrir le Québec. Oui, Valérie, bien sûr, nous aussi, on aimerait aller chez Tina, aller découvrir le Canada et profiter avec Tina des belles journées pendant cette période que l'on appelle l'été indien là-bas, mais bon, peut-être un peu moins l'hiver, parce que l'hiver, j'ai pas trop envie de faire des câlins gratuits avec mes moufles, mon bonnet et mon cache-nez. Je préfère quand même, c'est beaucoup plus agréable, quand il fait beau. Ceci étant, le Canada est un pays merveilleux, le Québec, pour les Québécois, est un pays merveilleux. Voilà. Alors, est-ce que Bourges fait partie des villes ? Jennifer, je n'ai pas encore, enfin, je connais le programme, mais je n'ai pas encore diffusé ce programme. Le programme va se diffuser dans les semaines à venir. Alors déjà, vous pouvez venir sur Optimist Café. Tous les matins, nous tenons, avec une petite vingtaine de personnes présentes sur ce groupe, nous tenons des discussions. Alors jusqu'à présent, c'était des discussions un petit peu, ça partait dans tous les sens, parce que l'Optimist Café s'est fait pour ça. Aujourd'hui, maintenant que vous savez à quoi sert réellement l'Optimist Café, bah, vous savez que on pourra discuter des journées de l'optimisme, donc vous ne serez pas surpris de me voir parler ou de vous apporter de la documentation à travers ce groupe. Donc on pourra en discuter. Et effectivement, je mettrai la liste des villes sur lesquelles on a projeté de descendre. Et voilà quoi. Moi, j'aime bien les cigognes devant la maison. Ouais, ça, c'est probablement pour ceux qui aiment les villes comme l'Alsace, etc. Prévoir une salle de quelle taille ? Alors, Marie-Christine, le principe de l'Optimist Café, c'est que on ne sait pas à l'avance quels sont les gens qui vont venir, qui vont s'inscrire. L'intérêt, c'est de trouver un restaurant, trouver à travers ce restaurant une salle, c'est-à-dire toujours faire en sorte que le restaurant ait une salle à côté. En général, les établissements de belle qualité, ils ont toujours une grande salle, parce qu'en général, ils font des mariages. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont une seconde salle qui peut nous servir pendant une heure et demie à présenter le programme, la petite conférence que l'expert, moi-même, Valérie ou Frédéric, auront prévu. Et ça dure une heure et demie, donc on ne va pas immobiliser tout un restaurant pour cela. Et après, on peut se retrouver. En général, les statistiques, enfin ce que moi j'ai comme expérience sur ce genre d'événement, c'est une dizaine, une quinzaine de personnes. Allez, 30 personnes maximum. De toute façon, le seuil minimum pour faire une journée de l'optimisme, c'est 10 inscriptions fermes. Parce qu'à un moment donné, ben, on aura besoin d'un seuil de rentabilité. Pourquoi ? Pour assumer tout simplement nos frais de déplacement. C'est normal, ça fait partie du jeu et vous le comprenez bien. En sachant que naturellement, l'opération, la journée complète, va rester à un prix extrêmement bas. Puisque le but de l'opération n'étant pas de faire fortune avec cela, mais simplement de partager avec vous et de faire en sorte que l'Optimist Café puisse vous permettre, enfin l'Optimist Café, les journées de l'Optimist, pardon, puisse vous permettre de passer de la vie du monde virtuel au monde réel et de partager avec nous notre expérience, notre expertise et d'offrir ce que nous avons de meilleur à vous offrir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je lis ? Avez-vous de véritables questions ? Je pense que ça a l'air d'être à peu près clair pour tout le monde. As-tu une petite idée de prix ? Oui, Marie-Christine, j'ai une petite idée de prix, mais je pense que j'en parlerai à la prochaine conférence. Pour une simple et unique raison, c'est que il faut que je vérifie cela par rapport au nombre de villes. Par exemple, si je vous dis que ça coûte, je dis n'importe quoi, hein, si ça coûte 50 euros, ben je ne sais pas si 50 euros sont aussi facilement amortissables sur Paris que, par exemple, dans ma région à moi, près de Carcassonne. Je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau des restaurants, au niveau de la distance, il faut que j'arrive à lisser, à faire quelque chose d'à peu près uniforme et standard, de façon à ce que tout le monde y trouve son intérêt. Voilà. Je suis en train de réfléchir, nous sommes encore en train de travailler avec cela, mais tant que nous n'avons pas mis en place une présentation comme nous le faisons ce soir, on ne peut absolument pas s'engager sur un tarif, mais sachez-le que le tarif, on l'a déjà un petit peu réfléchi. Voilà.
Alors, je connais des salles et des traiteurs sympas avec de la bouffe super, oui, mais dans le cas de l'Optimist Café, je voudrais revenir sur un point. Le but de l'opération, ce n'est pas de trouver une salle et un traiteur, c'est de trouver un vrai restaurant. Voilà, c'est ce qui nous importe. Moi, ce qui m'importe, c'est de trouver un vrai restaurant. Alors, pourquoi un vrai restaurant? Bah, tout simplement parce que un restaurateur, lui, il aura davantage de services à nous proposer. Et le but de cette opération, c'est véritablement d'avoir du service. Je vais essayer de vous montrer une petite image qui va vous donner, voilà, qui va vous donner une précision. L'idée, encore une fois, j'insiste là-dessus, l'idée, le principe de base, c'est de passer une journée complète avec du matin jusqu'au soir, hein, avec un expert et un membre de l'équipe de Génération Optimist pour partager avec vous sur toutes les villes que nous avons sélectionnées. Donc, la ville qui est la plus proche de chez vous, une journée complète à travers l'Optimist Café, sur lequel on va partager, diffuser, enregistrer une émission radio ensemble, à travers les sourires sur lesquels on va pouvoir répercuter ces sourires sur le site de Génération Optimist. On va également se faire des câlins gratuits dans la journée et on va les enregistrer en vidéo. Et le soir, naturellement, eh bien, on va procéder à une conférence sur laquelle vous allez pouvoir assister, partager, avec nous, vous allez pouvoir vous faire coacher, vous allez pouvoir profiter de notre expertise et ça se terminera par de la bonne humeur et un bon repas ensemble. Alors j'en connais déjà parce que j'ai déjà eu le cas de certaines personnes qui m'ont dit « Ah mais c'est pas grave, vous venez à la maison et on mangera tous ensemble ». Alors bien évidemment, si on est quatre, je pense que vous serez condamnés à nous inviter, mais si on est comme nous le souhaitons, c'est-à-dire une petite dizaine au moins, c'est-à-dire il faudrait avoir une dizaine de à chaque fois d'intervenants, ça veut dire quoi? Ça veut dire cinq couples. Eh bien, ça peut commencer comme ça. L'histoire des journées d'Optimist peuvent commencer comme ça. Et on sait comment ça peut finir. Ça peut finir à 300, 400 personnes, comme certaines organisations qui fonctionnent d'ailleurs très très bien et sur lesquelles il n'y a plus rien à dire puisque à la fois tout est bouclé et en plus de ça, je peux vous garantir, les tarifs sont particulièrement coûteux, ce qui ne sera jamais le cas sur Génération Optimist, puisque nous souhaitons nous adresser au plus grand nombre. Voilà. Alors, des restaurants exotiques aussi, oui, mais on se fait pas de soucis sur le restaurant, ça c'est pas, ça pose pas de problème. Ça peut être aussi bien un restaurant italien qu'un restaurant, un couscous ou effectivement un chinois, ça c'est pas le problème du restaurant. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de savoir de cette idée, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'idée vous séduit? Est-ce que cela vous plaît? Est-ce que vous avez, quand je vous présente ce projet, est-ce que vous avez envie de participer, envie de nous rejoindre, envie de jouer le jeu avec nous, envie d'aller à la rencontre d'experts, envie de connaître, d'en savoir plus, envie, comme on dit, d'échanger tout simplement. Voilà, envie de venir s'amuser avec nous. Voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir, moi. C'est la question que je vous pose. Oui, ils pensent qu'à manger, ces optimistes, bien sûr. Merci Luc Roll, bien sûr que ça met l'eau à la bouche rien que d'y penser et que vous adorez. Bah, nous aussi on adore, on a vraiment envie de se rencontrer, d'aller à la rencontre des gens qui chaque jour sont présents sur le réseau, parce que je pense que c'est la moindre des choses que de partager avec eux. Ce que nous connaissons dans la vie virtuelle, dans le monde virtuel, eh bien on a vraiment envie de le partager dans le monde réel. C'est-à-dire pouvoir échanger, pouvoir se prendre dans les bras, se faire des hugs, pouvoir discuter, puis se raconter en réalité tout ce qui peut nous amener à être encore plus positif dans la vie, encore plus optimiste. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce programme. J'avais promis 45 minutes. Il est 21h50. Ah, est-ce que ça existe déjà et est-ce que c'est un concept innovant? Ben oui, le concept en lui-même est innovant, ma chère Valérie, dans le sens où il n'existe pas à ce jour des journées complètes dédiées à l'optimisme et qui viennent en fait tout autour faire le tour de France. Ça n'existe pas. En tout cas, pas à mes connaissances. Il existe ensuite des gens qui organisent des caravanes sur des sujets précis, comme par exemple la caravane des entrepreneurs, où pendant une journée, les entrepreneurs vont pouvoir échanger, partager, discuter, etc., et parler d'un sujet. Voilà. Il existe beaucoup de ce genre d'opérations qui sont dans le milieu professionnel, notamment dans, par exemple, dans la franchise, non pas être franc avec vous, mais les salons de la franchise. Dans l'automobile également, ça existe. Enfin, il existe beaucoup de choses
qui ressemble un petit peu à cela, mais sauf que le sujet n'est pas d'optimisme, il ne propose pas les quatre leviers que je vous ai présentés tout à l'heure, et puis voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de partager avec chacun des go-optimistes de façon réelle, très très simple, venez boire un café avec nous dans le Café du Commerce, puis on va discuter. On va en profiter pour enregistrer une ou deux questions auxquelles vous allez répondre. Et puis, petit enregistrement, bien, ça passera en direct sur Génération Optimiste. Si vous avez le temps, on fait une petite photo ensemble. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, dans l'après-midi, on se fera des câlins. Et puis, on essaiera d'enregistrer ces câlins en vidéo pour pouvoir les diffuser sur la chaîne de Génération Optimiste. Et puis, le soir, vous profiterez avec nous, que ça soit, encore une fois, dans n'importe quelle ville de France. Vous profiterez avec nous de cette petite conférence, de ce séminaire, de cette conférence publique plus simplement, que donneront les experts qui seront présents avec nous. Et puis ensuite, ça se terminera par un bon repas. Voilà, l'idée, c'est très simple. Il y a des gens qui font payer des repas une fortune juste pour assister à un dîner conférence. Nous, c'est pas du tout un dîner conférence, c'est une vraie conférence et un vrai repas sur lequel on va partager ensemble. Et pendant l'heure du repas, on va pouvoir échanger entre vous et nous, c'est-à-dire d'experts à go-optimistes, de particuliers à experts, et enfin plus simplement d'homme à homme, de femme à homme, et on va pouvoir échanger, partager. Voilà, le but, c'est ça. Voilà. C'est vraiment, encore une fois, passer du monde virtuel, le monde dans lequel nous sommes ici, au monde réel, le monde que vous nous offrez au quotidien et que je m'offre aussi, puisque moi je ne vis pas dans le virtuel, je vis dans le réel aussi. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le point, on a tout dit, ou presque. Il y aura encore beaucoup de choses peut-être à dire, mais bon, je pense que vous avez tous posé vos questions, vous avez tous compris comment ça fonctionnait. Dès demain, je commencerai à déposer des questions, déposer des commentaires, pardon, sur le site, sur le groupe Optimist Café. Vous pourrez venir en discuter encore plus avec moi, avec les habitués. Et puis voilà quoi. Et puis on se donne rendez-vous prochainement parce que les journées de l'optimisme, c'est pas du virtuel, c'est du réel et ça va commencer prochainement. Alors sachez simplement pour la petite information, on va commencer un titre expérimental avec Valérie et Frédéric prochainement, puisque le 8 mars, nous serons à Paris pour faire une première intervention de cette journée de l'optimisme, mais à titre expérimental sur Paris. Donc le 8 mars, tous ensemble à Paris. Je précise également que ça sera une journée tout à fait particulière ce jour-là, puisque c'est la journée de la femme, mais c'est également une journée très importante pour notre amie Sabrina, qui est experte en troubles du comportement alimentaire et qui va à cette occasion mettre en avant son association, puisqu'elle va, entre guillemets, baptiser son association, faire naître son association, et nous serons présents pour la soutenir ce 8 mars de Clamart, une petite ville située à côté de Paris. Voilà, ça c'était pour le petit coup de pub du moment. Voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de m'avoir fait confiance à travers cette nouvelle conférence. Il est 21h55. Je tiens mes engagements, je vous avais dit 45 minutes, vous voyez, un peu d'introduction, un peu de conclusion et nous sommes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit. Cette semaine, ça a été une semaine extrêmement riche en conférences. On a eu le droit à deux webinaires et une conférence en ligne. Ça sera pas comme ça toutes les semaines quand même, les amis, mais il y a quand même de belles surprises qui se préparent. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on sera avec Valérie Madège pour un atelier pratique dans la version Les rendez-vous du jeudi, puisque Valérie va nous parler de la douleur et des émotions version 2, et elle va nous aider à nous tapoter. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis, à demain sur Optimist Café pour pouvoir en discuter. www.génération-optimiste.com. Bye bye.